Ah ouais, eux ils rebordent. Ah, c'est pour une personne. Coucou, mais t'as une condition. Watashi no Christmas present todoita na. これね、めっちゃ重い。これ12キロするんだけどさ。で、この荷物は玄徳のお母さん、日本から届いたんで、何入れたかめっちゃ楽しみにしてる。で、今日はお母さんと一緒に荷物を開けようとしてるんで、ぜひ最後まで見てください。国際郵便お願いします。あら、届いたの。あ、c'est quoi？残り。OK。Regarde la boîte, elle est chou。Ah ouais？ Ah, ça vient du camion。Ça vient du Japon？ C'est le camion？ Ouais。On va ouvrir. Chance de gold pie. Je te laisse. J'ai peur que de couper un truc par contre oui. À l'intérieur. Oui. Ça, c'est le problème. Oh, il est bien emballé. Hein. C'est la maman de Gain. C'est la maman de Gain. Mmh. Merci. Nani reite d'arna. Je suis trop curieuse, mais je vais pas comprendre ce que c'est. C'est bien protégé. Bien protégé. Oh! Eh, t'es comme moi, t'es le. Nani? Oh, il y a un joli timbre. C'est quoi tout ça? Alors. Nani, t'es le nom? C'est une éponge. C'est une éponge? C'est une éponge de la poste japonaise. Ouais. Et parce qu'en fait ça va être l'année du tigre l'année prochaine. Ah! Toshi Dolo! Alors? Toshi? Otoshi Dolo! L'année du tigre! C'est notre année en moyenne l'année prochaine. Alors l'année du tigre c'est 1er janvier, 31 décembre, c'est oui. Ça? D'accord. 2022, l'année du tigre. Ah oui! Et pourquoi? Parce que c'est l'année de naissance? Il y a des. Oui, c'est en fonction du chiffre de l'année de naissance, il y a l'année du serpent, du tigre. Et moi je suis quoi alors? T'es serpent toi, et papa il est rat. C'est en forme de lettre de carte postale japonaise en fait. Gekko-chiku nana. Kawaii na. C'est des éponges aussi. Gekko-chiku ja. Ça a mangé ça? Non. Ah. C'est des éponges? Alors ça en fait c'est des éponges qui récurent tout. Ah oui, cleanse. Ouais, elles récurent tout mais juste avec de l'eau. Ah ouais, ouais. Mais ça marche vraiment en fait. Même quand je travaillais au combini, on faisait le ménage avec ça. Hein? Ça fait briller tous les lavabos et tout mais sans rien. C'est vrai? Ouais, c'est une éponge magique. Non, mais il y a un produit intégré dedans, sûrement. Je sais pas. Oh! Mais je sais qu'on utilisait ça, le combiné. Mais c'est super! En France, ça n'existe pas, ça! Bah ouais! T'as vu le paquet, il est trop chou! Ouais! Made in Japan, c'est ouais, c'est spécialité japonaise. Oui! Bien! Alors ça. Ah, c'est pour faire la soupe miso. Gany va pouvoir faire la soupe miso, Gany. La vraie. C'est pas numéro 1? Ryori series miso shiru ichiba number 1. Ah, ichiba irete le non, sore. Kore sembe. C'est quoi ça? C'est rigolo le paquet. Sembe. C'est quoi ma puce? Oranda sembe. Sakata de ikadate. Ah bah oui, c'est des... Ah, c'est ça que tu me parlais. La spécialité De la ville de Gen. De la ville de Gen. Oui. Un genre de chips là. Ouais, les sembe de la ville. Ah, les sembe, oui, on en avait vu sur une vidéo, exact. Mais ils ont des beaux emballages. Ils sont bons en marketing au Japon. Ouais, ouais, on a envie d'acheter. Countryman, je sens que c'est un truc de mochi, ça, non? Non, c'est pas des mochi. Ah bon? Oh, ça ressemble. Countryman, ça m'a l'air bon aussi, ça, c'est quoi? Ça s'appelle des... Countryman. Mam, je sais pas ce que j'ai en français. Et c'est... ça fait 12 ans qu'ils sont premiers en vente aussi. Wow. Et ça a l'air bon parce que ça a l'air d'être des mochis. Non, c'est pas des mochis. Et ça a la forme du mochi. C'est pas des mochis, c'est des mini cookies, mais tout mou. Avec des haricots rouges à l'intérieur. C'est pas des haricots rouges, c'est vanille et chocolat, c'est des pépites de chocolat. C'est bon ça aussi. On va se régaler. Oui. Bon, allez, je prends cette fois, c'est moi qui prends. Alors, ça doit être au matcha ça, non? Non. Matcha, j'en ai. Non, c'est goma, c'est du sésame. Oh, je goma, non, c'est vrai. Ah, ben c'est encore de la région de Gen, ça. C'est un autre goût. Parce que tout à l'heure, c'était plus des chips et là, ça m'a l'air plus des gâteaux. Non, c'est du sembe aussi, ça, oui. Non, mais alors, le sembe, c'est la forme ou c'est la matière? La matière. Mais il y a plusieurs goûts. D'accord, ok. On dirait, ok, d'accord. Alors, ça, c'est goût quoi? Cheese, Hollanda. Shio dake. Sel. Sel. Et ça, c'est sésame. Donc, ça peut être nature alors.
キュウリの殻。あ、し。C'est quoi ça? なんだ? On dirait du concombre. Ah! 漬物だ。漬物を作るための粉でしょ。うん。Ah! Concombre ça non? Non, en fait au Japon ils font du concombre, c'est ce qu'on appelle 漬物. En fait, ils mettent des légumes dans une poudre comme ça, un peu vinaigrée. Ils laissent ça une nuit et en fait, ça fait des légumes un peu marinés, vinaigrés, mm-hmm. un peu des condiments, tu vois. Mm-hmm. Et donc là, en fait, elle nous a envoyé une poudre pour mm-hmm. faire des condiments. D'accord. Et on peut y mettre du concombre. Ça, c'est en général, ils font du concombre. D'accord. Pour, voilà. En fait, c'est pour donner du goût au concombre parce que le concombre, ça pousse le goût d'eau. De oui, mais c'est un peu pour faire mariner vinaigré. Mm-hmm. Au Japon, ils mangent énormément ça, surtout l'été. Donc bah, toi, oui. t'as jamais mangé, je crois. Non, bah, il bah, y a plein de choses. C'est qu'il a qu'à la pour l'instant. J'ai rien mangé, enfin j'ai jamais goûté tout ça. Mon ogre a dit qu'il était en garde. Quoi, il n'est ah, bah ça c'est du sésame. Non Siro. Comme trompé. Il est bon, non. C'est pas du sésame ça Goma. Sésame. Sésame oui. Ah, Goma. Je suis pas trompée pour une fois. Attends. À moi, à moi, à moi. Chapinette. On dirait un enfant hein, qui découvre son colis, tu vois, on dirait que c'est ça. C'est quoi ça? Des œufs. Des œufs? C'est pour faire des œufs? Ouais. Et tu mets l'œuf et ça fait tout seul? Bah, je sais pas. En fait, c'est pour faire des œufs. Tu mets les œufs dedans. Et après, quand tu mets de la sauce soja, ça donne du goût aux œufs. Ça fait des œufs marinés. D'accord. Et là, ils te mettent en fonction de la température. Ah oui, j'allais dire, soit... ça, c'est... ou le temps ou la température, d'accord. Ouais. Ah ouais. Mais c'est pour faire des goûts avec des œufs. Mmh. Vas-y, ta main. Non, mais il y a que là-bas qu'on trouve des choses comme ça. Hein. Mais ils sont très intelligents pour trouver des trucs marrants. La technologie là-bas, elle est vraiment. Je crois que c'est la meilleure de toute façon, donc il n'y a pas à dire. Ils font jusqu'à quand les koyumono tsukaun de l'année. Mais ça y est. Allez, t'es un ramen au tokin, n'est-ce pas? ラーメンの時卵あったじゃん。そうそうそうそう。あ、おしるこ。私の作るおしるこだ。すごいさ。で、おしるこ。あ、サンディ。おしるこ。で。なんだこれ。粉味噌。え、味噌って粉もあるの？味噌汁28杯分。Alors ça c'est du miso en poudre. Donc en fait tu peux faire de la soupe miso avec du miso en poudre aussi. Un tuy bol sûrement. Ouais. Nihon 3 nen kan sundan da kedo kono miso mita koto nai no. Alors Gen, après 8 mois passés en France, ça va faire du bien de remanger de la nourriture japonaise hein. Je suis content. Tu es content? Bah oui, je me doute. Je comprends oui. Katsuo aussi. C'est des... Des algues? Non, c'est des poissons. Hein? Du poisson lyophilisé comme ça? Ouais. Et en fait, il met ça sur les takoyaki, les okonomiyaki et tout. Attends, ça bouge parce que... Okonomiyaki, oui, je... Les takoyaki... C'est les boules avec le poulet. Ah, oui, oui. Et on met ça au-dessus et en fait, ça bouge. Ça bouge? Oui, ça bouge. Quelle c'est de la bonite. Bonite séchée. Je sais pas si la bonite en français existe. Oh, c'est une dernière. Putain, il peut courir les deux de chocolat, moi. Potéti, Noricia. Yeah, c'est Noricia, ce qu'il a dit. C'est quoi ça? C'est des chips à l'algue. Algue et sel, c'est mes préférés. Allez, vite. Elle a pensé à tout le monde. Koleski. Ils sont grave bons. Mm-hmm. Il n'y en a pas en France en plus. Bah non. Bah non, c'est spécial au Japon, les algues, non? Alors ça c'est des c'est un genre de qu'on a mangé avec Gen. これがね懐かしいね。俺の一番好き。チーズ？チーズってかじゃがりこ自体です。サラ。あやめて。あ開いてる。両方。大丈夫かな？Mon avis a dû se craquer dans le.食べれる？Alors c'est quoi？今回はじゃがりこ、チーズとサラダ。C'est ce qu'on appelle じゃがりこ。C'est toujours la restauration rapide pour les gens qui travaillent et... Non, c'est des chips. C'est des chips, mais en forme de bâton. Ah d'accord. Donc ça, c'est goût salade. Ah, et ça, c'est goût fromage. Ils ont des goûts, enfin... Comme les Kit Kat et tout, ils ont un, je sais pas combien de goûts différents. Alors... Qu'est-ce que c'est ça, mon dieu? Kaiseri salad. C'est des algues, non? Nani. C'est ce truc.
Et en fait, ils disent ça mettre avec des légumes et la sauce qu'il y a dans le paquet. D'accord. J'ai jamais vu ça. Qu'il y a dans le paquet. D'accord, ok. Il y a du fer, du calcium et des fibres, par exemple. Ouais, parfait. Et qui, de toute façon, sain et équilibré. C'est une ilité. Ouais. C'est quoi ? Gomi buklo, kutte kana to motta. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Dare dokoro yo gomi buklo. Kudamono no hozon ni benri. Tsukemono ne. C'est pour faire le truc mariné. En fait, c'est pour mettre des légumes et tout. Ah oui, mais c'est pas c'est pas un sac poubelle. Oui, c'est pour ça que je comprenais pas, mais bon, pourquoi pas, hein. Oh, non, ça c'est pour le chocolat japonais, je vais pas goûter du chocolat japonais. Ah là, si, il est noir. Ah ben, t'aimes pas, c'est du chocolat au lait. C'est con, parce que celle-là, je l'aime bien. C'est bête, t'aimes pas le chocolat au lait. Celle-là, je l'aime bien. Je connais pas, le chocolat japonais. Matcha-zuke. これも好き。なんか時間がなくて、ね、でも美味しいものを食べたいときはよくこれ食べてたね。ça en fait c'est ce qu'on appelle au tsa zuke. C'est vrai qu'on met l'équivalent d'un sashi sur du riz. On verse de l'eau et ça fait une genre de soupe au riz avec le goût de ça. D'accord. Et il y a du thé vert. Mm-hmm. Donc en fait c'est un goût de thé. Mm. C'est du riz au thé avec de l'algue. Ouais, d'accord. Ils font beaucoup de choses, hein. Donc ça pareil, hein, tu gères ce truc en deux secondes, t'as fini. J'arrivais pas à m'imaginer qu'il y avait tout ça au Japon, quoi. これ半分もやってるよ。私は。ゲヌの好きなもの。あれポートじゃん。ゲヌのため。あ、さ、c'est des gâteaux。ça s'appelle Alfort。え、ゲヌ、il adore ça。Alfort。あ、c'est marrant ça。Alfort、c'est une ville près de Paris。Donc ça, Gen, il adore. C'est des genres de mini cookies avec des chocolats. Ça ressemble un peu au petit beurre, tu vois, au niveau tête. Et Gen, faudra partager, hein. Faut pas tout manger tout seul, hein. Tout ça. Pas que tout manger, toi tout seul. Hein. Partagez, t'as fait de l'or. Partagez. Hein. Ah. Ça, c'est quoi? Ah. Attends, on dirait des champignons avec du chocolat. Pas le même goût, à peu près. Donc, il y en a, ils préfèrent ça, il y en a qui préfèrent ça. Donc, on va voir lequel tu préfères, ça sera l'objet de notre vidéo. D'accord, ok. Ouais, pas de problème. Alors, Meiji, ça veut dire quoi? Parce qu'on le voit souvent. Ah, ok. C'est la marque du chocolat, hein, de tout à l'heure. Ah, oui, d'accord. Bah, oui, on le voit souvent. C'est une autre vidéo, c'est une autre vidéo. Merci. Vas-y, prends ce que tu veux. Alors, bah j'ai ça. Topoyen. C'est des pokis. C'est ça qu'on trouvait. Topo. Pokis. C'est pas. Ah non, c'est ça, c'est pokis. Ah voilà, c'est ça qu'on trouvait en France. Ça, on en trouve en France. これね、日本のお店行くとあるポキ。Et ça alors, c'est quoi la différence? Ça c'est plus fin que ça. Ah, et ça alors? Et ça c'est les, ça s'appelle Topo, ça ressemble un peu à Pocky, mais c'est pas la même marque. Et en fait le chocolat est à l'intérieur. Ah d'accord. Alors ça c'est de la poudre pour... Kinako. Oh, c'est de la poudre pour... C'est toujours pareil c'est... Alors ça c'est de la poudre bleue de Kinako. Et ça c'est? De la normale. Kinako. C'est quoi Kinako? C'est pour les moitiés. C'est pour moi ça. C'est Gen qui va me les faire les moitiés, hein. Gen, c'est toi qui vas me les faire, les mochi. Hein. Ok. Tu vas me les préparer, les mochi. C'est toi. Hein. Merci. Oyakodon! Yatta! Gen, on est tous qui dans les lits, j'en ai. C'est quoi ça? C'est le plat préféré de Gen. Ah! C'est les oyakodon. C'est du poulet mélangé à des œufs sur du riz. Et c'est un dombili, en fait. Et je te dis pas plus parce que ça sera aussi dans une autre vidéo. Ah, ok. Ah bah c'est pas Gen qui va le manger alors. Bah non, il y en a pour trois. Ah ok. On va faire trop. Donc on fera une autre vidéo avec. Ok. Ok. Nanda. Shio kombu. Ah, salade ni irete mo mélanger. Ah, ça vient de la salade. Ah, il parle français. Il t'explique en français. C'est pour mélanger de la salade. C'est quoi? Bah, on dirait du réglisse. Non, c'est du kombu. C'est de l'algue. Ah ouais. C'est déjà si on a ça, hein? C'est au kombu. Kombu. Ah. Kombu. Oden, il est le nez. Oden. C'est ici, déjà? T'as vu? Mais ça, on connaît. C'est parce qu'on a fait l'autre chose. Oh, putain, ça, le. Masuka. Il y en a deux, un pour Amandine et un pour Gen, à mon avis. C'est le même. Ah bon? Ben oui, c'est les ramen hyper épicés qu'on a dit qu'on allait le goûter. Mais en fait, Oni-chan, il t'avait ça, c'est ta part. On va le faire goûter à Geoffrey, ça. Faut que ce soit Geoffrey qui fasse la vidéo avec toi. D'accord. Ah, Nissin! Mais oui, c'est la marque de l'autre jour. Nissin. Tiens,
regarde, vas-y, dors avec. Oh, c'est ça les mochi. Bon, je vais les mettre dans ma chambre. Interdit. Interdit de toucher. Ah oui, alors, attends. Il y en a trois, attends. Soba. Quoi là? La vaste en même. Ça, c'est pour faire de la soupe miso aussi, non? Là? Pour mettre dans la soupe miso? Dans la soupe miso. Ah, ok, ouais. Quoi les monnaies? Ah. Ça aussi. Ça aussi, c'est pour la soupe miso. Waouh. Wow. Des baguettes. Ah, bah ça, c'est des vraies baguettes japonaises. Non, devra s'arrêter. Waouh, les vraies baguettes de. Elles viennent du Japon. C'est William Dassé. Ah, mon content même. Oh, natsukashi, c'est les baguettes qui sont rendues avec les ramen. C'est 7-Eleven, hein, c'est le combini. Ah, d'accord, j'allais dire, il faut pas les déballer parce que celle-là, on en aura pas souvent. Korewa, cream sucre. Et après, il y a des chocolats. Alors ça, c'est mettre, c'est ce qu'on appelle furikake, c'est ce qu'on met sur le riz. Pour donner. Donc, on peut le mettre soit dans le riz comme ça, soit sur les onigiri. En général, soit on le met sur le riz une fois qu'il est cuit, ou alors dans directement l'appareil pour que ça cuise en même D'accord, temps. D'accord, ok, ouais. Dans le. Mais. これ、グミね。で、チップ飯食べたことない男梅。あ、なんでプリンサル。あ。ほらほら。北海道。これ結構視聴者さんから。すみません。やった。視聴者さんから結構ね、言われたよね。きすし。あの、さ、せ。え、ば、ちゅうやろ。なんだか知らないんだけど言わない。さ、すまん。食べ物って聞いてる。サプライズ。食べ、もう、さ、すまん。え、なんで、ば、ちゅうやろ。さ、すまん。の。 ça se mange pas? C'est du thé? C'est du thé au gingembre, on va donner ça à quelqu'un aujourd'hui. Ça va le rebooster un peu. Mais, non mais c'est vrai, c'est pour les gens qui sont remis. Ah bah on va lui donner. Gen, il découvre des choses qu'il connaissait même pas. Hein? Il y a des choses que tu ne connaissais pas. Ryokucha d'autre. Ah, Ryokucha? Kawaii, c'est du thé vert. Mais ça, c'est du vrai thé vert. Ah ouais, on en feuille, on a dit à l'intérieur. Ah, on sent parce que c'est un peu humide. Ah bien. Elle nous a gâtés. La maman. Et ça, c'est quoi? Dao. Oh, ça me dit quelque chose, ça. L'assiette, elle me fait penser à quelque chose. C'est pas des ramen? Si, instantané. C'est des mots que j'entends, mais je sais pas ce que ça veut dire. Zembe maman est oubliée d'un banc et un dans le sac. Alors, ça, c'est de la farine, mais pour faire du tempura. Mais c'est parce que c'est du tempura. Mais si, tu sais, t'as déjà mangé, je crois. Mais non, t'as pas mangé. C'est papa qui en avait pris. Hein? Papa, il en avait pris, tu sais, c'est le genre de légumes frits avec une panure autour pour mettre au restaurant japonais. Non, j'ai jamais mangé ça. Hein. Toi, non. Non. Nori. Dossier. Kore wa aru ne. C'est quoi ça? Ça c'est du dashi. Mais je crois qu'il y en a aussi au. C'est quoi du dashi? Du dashi. Bah en fait c'est la bonite, c'est le truc de tout à l'heure. Mais d'accord, c'est le poisson. D'accord. Pour mettre dans la soupe miso. Je sais pas où on va ranger tout ça. Hein. Mon dieu. Coucou, on en a pas des jeunes. Vache, on va mettre tout ça. On va tout mettre de la place. Oh, pocket de tissu. C'est quoi ça? Alors ça tu vois, c'est les mouchoirs japonais. Ah bon? Les gens ont ça dans leur poche. Voilà. Ah bah disons dans la poche. Il y en a combien? Oui, mais attends, ils sont pas épais. Bah, je sais pas. Parce que nous, en France, ils sont... Ouais, mais ça, en fait, tu les as gratuitement, parce qu'en fait, si tu veux, ils te donnent ça, il y a une pub.
dessus. Et en fait, dans la rue, tu vois les gens qui sont comme ça, qui essaient de te donner le char, tu vois. Alors toi, tu passes, soit tu fais non, j'en veux pas, ou alors tu prends, tu vois. D'accord. Ah, mais c'est bien. Et ça, c'est la poste. Ah, bah oui, il y a le nounours. Oui. Alors, qu'est-ce que. Attends, il y a encore quelque chose là. C'est. Comme Metzer de. Le riz. Le riz. D'accord. Pour donner du goût. Ça, c'est quoi? C'est acquis. Hein? Du riz. Du ah, riz. Du riz japonais. Ah, ah oui, bah là, c'est du riz japonais. Ah, bah enfin, tu vas pouvoir me faire goûter, Amandine, du riz japonais. Ça, c'est du vrai. Puis alors, le tsuyakime, c'est pas de la merde qu'elle a pris. Oh, ouais. La marque comme ça, c'est un truc, c'est le riz de Yamagata, mais c'est pas de la dobe. Le tsuyakime, merci. Pas le gâteau. Et alors, ça, c'est quoi ça? Il y a du papier à lettres. Alors tu vois, ça c'est les cartes postales qu'on envoie au Japon. Ah. C'est ce qu'on appelle Nengazo. Et en fait, en gros, les Japonais, si tu veux, ils envoient ces cartes postales à tout le monde. Les gens de leur famille, les l'entreprise, les collègues. Et à quelle occasion? Et ben pour le nouvel an. Ah ok, pour le nouvel an, tout le monde envoie ça. Ils envoient tout ça. Et en fait, si tu veux, tu reçois en paquet le jour du nouvel an toutes les cartes chez toi. En fait, la poste, elle les garde pour toi. D'accord. Et en fait, elle t'envoie un paquet d'un coup de cartes postales. Ah ok. Ah bah c'est bien parce que c'est... Donc ça, c'est l'année du tigre, tu vois. Ah ouais, ça c'est super parce que comme ça, on peut voir ici en France à quoi ressemblent les cartes de vœux japonaises. Voilà. C'est bien. C'est lourd. Ah, c'est même encore protégé. C'est lourd. Yume. Mokanda. Puis c'est bien emballé. Oh. Nanda. Aitemo. Qu'est-ce que c'est? Kyusune. C'est une théière japonaise. Mais alors, c'est une vraie théière japonaise. Pas comme elle envoyait le thé, je pense qu'elle envoyait la théière. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais. Oui, au bord. Ah, c'est pour une personne. Mais t'as une condition. Ah. Yoro, il est. Mais tu elle est belle, la couleur, elle est jolie. Mais c'est ce que. Maman, arigato. Mais tu comprends, il y en a. Et puis alors, la couleur, elle est trop belle, quoi. Mais il ouvre, mais tu sais ce qui est. Waouh, c'est joli. Kawaii. Là, c'est vraiment une. Oh, faut pas la casser. C'est à toi qu'il faut dire ça. Ouais, faudra pas casser. Wari. Wari, y'en est. Je sais pas où est-ce qu'on va ranger tout ça. Hi, Zimbu.荷物からだしました。まあだいぶ日本からのものがたくさんいただいて、また別物だけじゃなくて年賀状とかなんか本当に日本にしかないものもいただきましたので、めっちゃ嬉しいです。ママありがとうございます。絶対高いんだよね、これ普通に。ね、買い物したら。で、本当になんか私も全然知らないものもたくさんあるんで試すのをすごく楽しみにしてます。で、もちろんこの中は結構お母さん動画が できると思いますので、皆さんもその動画を楽しみにしていただければと思います。あとこの中、順番的にはこれ見たいとか、この食べ物を先に動画に出してほしいとか、何か動画にやってほしいものがあったら、コメント欄の方に皆さんからお待ちしておりますので、お願いいたします。はい。ありがとう。ありがとうございます。ママありがとう。ありがとうございます。 はい、ではこの動画はこれで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。で、もしこのチャンネルにまだ登録されてなければ、今皆さんと一緒に10万人目指しておりますんで、お願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ、merci。